Bonjour Cécile, est-ce que vous me voyez ? Bonjour Thibault, ça y est. Non mais c'est les joies de l'informatique, c'est toujours aussi incroyable. En fait, ça marche toujours, sauf quand on en a besoin en général. C'est pas grave, ça détend l'atmosphère. Ah mais c'est sûr, on est toujours en forme. Après, on arrive, on est toujours prêt en général. Quand on arrive sur scène en général, on est là depuis un quart d'heure en train d'essayer de se connecter, donc on est ravis. Merci d'être là, Cécile. Merci à vous, Thibault. Plaisir. Non, mais voilà, toujours les 10 petites minutes pour régler. Mais voilà, mais je crois que tout le monde est resté. Merci d'être là. Effectivement, une interview aujourd'hui de Cécile. Fiorentino, comme je le disais, vous avez gagné le palmarès l'année dernière. On en parlera, ça sera notre cinquième point. On a la chance de vivre dans le même endroit. Vous savez, je suis à Montpellier, Cécile, et on n'est pas très loin, en fait. Hein. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure avec Charles. Mais oui. Ouais. Je m'en suis rendu compte, mais en fait, je le savais un peu. C'est vrai que c'est le lieu en France où il y a plus de soleil, et c'est un endroit formidable où on vit bien. Hein, c'est vrai, Cécile ? On est pas mal. C'est vrai. On a de la chance. Ah hein. Oui, on a beaucoup de chance. Oui. On va parler de soleil et du moral des collaborateurs, puisque c'est une des clés, si ce n'est la clé du succès, en tout cas. De Santoni, entre autres, bien sûr, du service, des agences, beaucoup de développement au travers de toutes ces années. Donc, j'aimerais qu'on parle plusieurs sujets, peut-être revenir sur l'histoire Santoni. Comment est-ce que le succès s'est construit au fur et à mesure des années? Quelques clés, peut-être, pour ceux qui nous écoutent. On parlera, bien sûr, du sujet du mental actuellement avec parfois un extérieur un peu anxiogène, un peu dur. Et donc, il faut absolument s'occuper de nos collaborateurs. Pour moi, c'est la clé aujourd'hui d'un management efficace, c'est s'occuper en priorité des collaborateurs parce que c'est difficile cette période, il faut le dire. Et vous avez une expérience sur le sujet à nous partager. J'ai lu d'ailleurs dans votre revue ce que vous avez vécu et vous partagez un peu avec émotion, en tout cas, cette période qui est particulière et qui pousse en tout cas à être solidaire. Voilà, à apprendre à danser sous la pluie, si vous avez lu. Danser sous la pluie, je l'ai lu, effectivement. Effectivement. Et on peut le faire, nous, sur la plage. Ça, c'est une chance aussi, il faut le dire. Hein. Ici, c'est vrai. C'est vraiment agréable. Même quand il ne fait pas beau, on va sur la plage et ça fait du bien. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais nous, effectivement, on a cette chance. Alors, Cécile, premier sujet, effectivement, parlez-moi un peu du développement de votre réseau. Comment ça s'est passé? Comment s'est construit le succès? 14 agences aujourd'hui, c'est combien d'années de développement? 35 ans, j'ai démarré cette agence, j'avais 20 ans, à Marcy-en-Plage, avec de la location saisonnière, du syndic, de la transaction. Et puis, je suis restée donc sur la station pendant quelques temps. Et puis, je sentais que les permis de construire allaient diminuer et que le marché allait être saturé. Et donc, j'ai commencé à développer, à ouvrir la deuxième agence sur Agde, puis Cap d'Agde. Et puis après, on a commencé avec la technique de l'escargot en rayonnant autour de notre secteur. Voilà. Vous êtes resté effectivement, j'ai regardé, c'est très fortement autour d'Agde. Pour ceux qui connaissent un peu moins que nous, donc il y a Béziers un peu plus haut à gauche, voilà. Sept un peu à droite. Voilà, c'est ça. Donc, on est resté sur ce secteur. Pourquoi? Parce que c'était plus facile, plus pratique, parce que… C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'avoir un maillage très serré pour permettre un partage de fichiers et de marchés et assurer, en ouvrant le point suivant, son développement en s'asseyant sur, justement, la complémentarité des secteurs. Voilà. D'accord. Ça, c'est important, effectivement, de mailler les secteurs pour être reconnu localement. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez la stratégie des nouveaux markets avec 100 personnes comme KW, etc., c'est une stratégie aussi. Oui. Mais quand on n'est pas dans des grandes villes et quand on est dans des territoires avec des villes moyennes, je pense que la solution est plus sur un maillage avec une proximité près du client, quoi. Voilà. Et je pense que ça a fonctionné pour vous, ça fonctionne encore aujourd'hui, ça permet d'être effectivement très proche des clients sur un secteur défini et pas trop grand. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces nouveaux réseaux qui arrivent, type Keller Williams? Effectivement, on a un peu une centrale, un peu un centre. J'ai eu la chance d'être invitée par Laurence Racine, puisque vous êtes à Montpellier, qui est une amie, qui m'a montré comment fonctionnait leur market center. C'est vraiment très intéressant comme approche.
je comprends qu'elle ait été séduite par leur proposition. Parce que justement, elle est sur une grande ville. Je crois en ce fonctionnement particulier, effectivement, sur des métropoles comme Montpellier, Toulouse, voilà, mais beaucoup moins sur des villes plus petites, quoi. C'est un mixte entre finalement le mandataire qui travaille tout seul et le fait de les recouper dans un market. Après, il y a nous, on va dire, agence traditionnelle avec des bureaux et des plus petits points, plus proches des clients. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde pour travailler. C'est le modèle. Leurs besoins et leurs envies. Et c'est ce qui vous a permis de vous développer. Alors, ça s'est fait sur 35 ans, hein, c'est 14 agences. La toute dernière vient d'ouvrir, c'est ça? On vient d'en racheter deux, là, un ami qui est toujours sur Béziers et qui s'est séparé de deux agences parce qu'il approche de la retraite. Oui. Et qui sont à Valras, qui est une plage aussi dans l'Hérault, et à Servian, qui est un village dans l'arrière-pays. Voilà. Donc, c'était quoi, une agence tous les deux ans à peu près? C'était quoi, un développement mesuré en fait dans... Oui, ben, c'est-à-dire c'est en fonction des opportunités. Au départ, on avait choisi de démarrer des agences de zéro. Et puis après, on est plutôt passé sur du rachat. D'accord, très bien. Et ça s'est fait effectivement, encore une fois, toujours pareil sur cette zone et pour être toujours plus présent. Et ça vous a aidé, j'imagine qu'on parle de vous. Enfin, on vous connaît aujourd'hui maintenant depuis 35 ans. Ben oui, surtout que je réfléchissais, on fait à peu près 500 ventes par an. Alors, vous, ne serait-ce que sur les 5 dernières années, ça fait 2500 transactions. 2500 transactions, ça fait 5000 familles uniquement sur les 5 dernières années. Donc, on remonte un peu plus. Avant, on en faisait un peu moins. On en faisait dans les 350-400. Donc, c'est vrai que si on capitalise le nombre de transactions qui ont été faites sur les 10 dernières années, ça fait beaucoup de familles qui nous ont fait confiance. Et c'est vrai qu'il est allé sur 35 ans, c'est vrai que vous êtes connu. C'est encore plus. Alors d'ailleurs, comment fait-on? Parce qu'on en a parlé la dernière fois, on parlait de prospection, on parlait de fidélisation. Et quels sont les outils? Qu'est-ce que vous mettez en place pour justement garder le contact avec toutes ces familles que vous avez accompagnées pendant ces 30 dernières années? C'est quoi les actions? Donc, on a un magazine, je sais qu'il y a un magazine hein, pour communiquer vers l'extérieur. Quels sont les moyens? Alors, on essaie effectivement de rester en contact avec nos clients parce que la valorisation, évidemment, d'une agence immobilière, c'est son fichier client. Oui. Donc, on va avoir des newsletters régulièrement. On va avoir notre revue Bien Vivre qui est envoyée, pareil, de manière digitale à tous nos clients et de manière papier dans des endroits stratégiques. Oui. Là, notre objectif aussi avec cette revue, c'était de fédérer autour de l'habitat. Autour de cette revue, toujours dans cette notion de bien-être, d'art de vivre. En fait, j'ai dans le sang, on va dire, le fait de vouloir prendre le contre-pied de toutes ces informations anxiogènes que l'on reçoit à longueur de temps par les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pandémie, mais si vous remontez quelque temps avant, c'était la Syrie et le djihad. Si vous remontez un peu avant, c'était les subprimes, etc. Donc, on est matraqué d'informations négatives. Et moi, à mon petit niveau, j'essaie de prendre le contre-pied déjà dans la revue, avec les collaborateurs, et là encore plus, c'est pour ça que quand je vous ai dit, Thibaut, quand on s'est parlé l'autre jour, je rentrais de congé et je vous ai dit, cette fois, les vacances, ce n'était pas un objectif de récupérer de l'énergie et de me reposer, c'était carrément un objectif de santé mentale, parce que je me rendais compte que même si on met beaucoup d'énergie dans nos entreprises ou les collaborateurs dans leur travail, etc., et c'est pour ça que je leur ai fait live il n'y a pas très longtemps en leur disant « Prenez le temps de planifier vos vacances, prenez vos vacances, il en va de votre santé mentale aujourd'hui. Oui. » Je leur ai dit « Bien sûr, ne les prenez pas tous ensemble. Hein. » Évidemment, mais c'est vraiment, vraiment important parce que même si encore on ne sait pas comment on peut voyager, comment on peut organiser nos séjours pour se ressourcer, il est important de savoir qu'on a une bouffée d'oxygène qui arrive bientôt
pour pouvoir continuer à travailler dans cette période difficile. On en parle pas assez souvent, effectivement, de la santé mentale des collaborateurs et des dirigeants. Et moi, c'était le deuxième grand sujet que je voulais aborder. Effectivement, on reparlera de la fidélisation des clients. Mais effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, la priorité, moi, j'en parlais ce matin, on a fait un staff meeting, j'en parlais. La priorité aujourd'hui, c'est vraiment pour moi l'interne, nos collaborateurs. Pourquoi? Parce que cette période est particulière et difficile. On sent le stress extérieur et donc il est nécessaire en tant que dirigeant et bien sûr, c'est un message pour tous de prendre soin de nos collaborateurs. Et ce que vous m'avez dit, c'est que vous reveniez effectivement vous êtes forcé à prendre des congés en quelque sorte parce que vous avez ressenti ça comme une obligation pour revenir plus forte et surtout avoir le mental nécessaire pour apporter une valeur ajoutée à vos collaborateurs et pouvoir vous-même vous occuper de vos collaborateurs. J'ai trouvé ça très intéressant. On n'en parle pas assez souvent. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on travaille en famille, nous. Donc, l'agence, notre travail est H24 dans notre tête. Oui. Quand on peut se retrouver en famille, quand on travaille pas en famille, automatiquement, on va s'évader. Nous, on a du mal à s'évader parce que on appelle ça dans nos repas de famille, attention, on dérive. Et automatiquement, ça peut être un repas de travail ou n'importe quoi. Hop, on est en train de... Hop, du coup, on s'oblige à reprendre le cap sur quelque chose de familial, entre peut-être deux coupes de champagne pour un anniversaire, on va voir glisser un truc sur l'entreprise. Quoi. Ça, c'est impossible de faire autrement. Et du coup, quand j'étais en vacances et quand il y a des sujets un peu délicats ou comme ça, les enfants m'ont appelé. Et notamment par rapport à du recrutement en ces périodes compliquées où on gouverne, on va dire, à vue, hein, on ne sait pas du tout vers quoi on va aller. Et j'ai bien vu que parce que je n'étais pas en France, j'étais déconnectée et que j'avais repris de l'énergie, je m'étais sortie du monde anxiogène dans lequel on était et j'ai pu prendre de bonnes décisions. Alors que je pense que dans l'état de fatigue dans lequel j'étais avant de partir, m'aurait peut-être pas fait prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que quand j'ai... En fait, tout ce que je dis souvent à mes collaborateurs, ça va être souvent des choses que je vais avoir vécues moi, donc je dis pas que j'ai la science infuse, mais le fait qu'on ait vécu soi-même quelque chose, eh bien, on est mieux à même d'en parler parce que les yaka faucons ou les donneurs de leçons, c'est facile quand on n'a pas vécu les choses. Et donc du coup, quand j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien, je me suis dit, mais moi j'ai eu la chance et j'ai quelques collaborateurs aussi qui ont pu prendre des vacances là, quand j'ai vu à quel point ça m'avait fait du bien, je pouvais pas faire l'économie de faire un live dans notre Santoni TV. Là, on a un groupe sur Facebook privé où on communique. Tout le monde ne peut communiquer, pas que moi. Hein. Et je me suis dit, là, Cécile, il faut vraiment que tu leur fasses prendre conscience que on a besoin aujourd'hui de ça pour notre santé mentale. Voilà. Oui, on en parlait, vous m'avez dit justement le fait que vous l'ayez fait pour vous, vous pouvez le faire pour d'autres collaborateurs qui en ont aussi besoin et donc vous me disiez que ce qui était important pour vous, c'était de prendre soin du mental de vos collaborateurs, c'était un moyen pour vous de continuer à maintenir à flot votre entreprise et c'était en tout cas une clé du succès et vous l'avez fait récemment pour quelques collaborateurs parce que justement, vous aviez eu le temps de prendre un peu de recul. Alors, moi, je pense que c'est important et on n'en parle pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une effervescence. En tout cas, le digital est à la fois un atout, mais aussi un problème, à mon sens. On déconnecte plus et ça nous met dans des états parfois. On ne s'arrête plus. En fait, ce qui est dommage, c'est que dans notre métier, souvent, on va se consacrer sur les bases du métier avec... les découvertes clients, les découvertes vendeurs, acquéreurs, les découvertes financières, le traitement des objections, la maîtrise parfaite du marché local. Oui. Mais on ne se soucie pas assez
de cette notion d'énergie. L'énergie que l'on a en soi, l'énergie qu'on dégage par rapport, que l'on va dégager envers un client, envers une équipe, etc. Et ça, c'est très important. Et moi, ils le savent chez moi, je fais très, très attention à ça. La première température que je prends, ça va être l'énergie d'une équipe, l'énergie d'une personne, parce que celui qui n'a pas vendu depuis X temps, il va avoir, entre guillemets, les dents qui rayent par terre et ça va se voir et automatiquement, il va tomber dans une spirale négative parce qu'il ne va pas pouvoir faire de vente. Il se pose des questions pourquoi. En fait, il n'a pas forcément changé de technique, mais ce qui dégage, lui, ne va pas être bon. Et souvent, avant même qu'on ait ouvert la bouche, on voit si l'interlocuteur en face est dans une bonne énergie ou n'est pas dans une bonne énergie. Donc, oui. Donc moi, maintenant, je prends un énorme soin à cet aspect du collaborateur. Bien sûr, du mental, puisque vous... C'est pareil, hein. C'est valable pour un commercial qui effectivement va être en difficulté et effectivement vous allez prendre soin de lui pour qu'il revienne dans une phase positive, dynamique. C'est ça. On parlera des points soleil. Vous m'avez parlé des points soleil. C'était un sujet chez vous. Oui. Expliquez-moi comment ça se passe. Eh ben, les points soleil, gratifier un collaborateur qui fait preuve d'engagement et qui va nous donner des bonnes idées. Toutes les bonnes idées, ce qui fait que, alors il peut y en avoir des très bonnes, des moins bonnes, etc. Mais le but du jeu, c'est que les gens n'hésitent pas à nous donner des idées. Et cette communication, pour moi, elle est très, très importante parce que ça fait preuve de confiance déjà de part et d'autre, de ne pas avoir peur d'être jugé, d'avoir envie de construire, de prouver qu'on a envie de faire avancer les choses, etc. Et à partir de là, on distribue 1, 2, 3, plusieurs points soleil qui ont une valeur en euros en face et ça permet après de faire des cadeaux et voilà. Et ça, c'est toute l'année pour... Toute l'année et on remet les points soleil en fin d'année normalement quand on peut faire une convention. Cette année, elle a été virtuelle. Donc, les points soleil... Comment on gagne des points soleil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des points soleil? Parce que ça m'intéresse. Par exemple, la semaine dernière... Comment ça, en pratique? La semaine dernière, j'ai un collaborateur qui me dit, Cécile, alors que nos offres sont des imprimés FNIM, donc je pensais qu'elles étaient top, nos offres d'achat, ils m'ont dit, Cécile, on a eu une offre d'un concurrent, je ne vais pas citer le nom, qui est très, très bien. Donc, regardez, comparez. Alors, on a mis ça à notre service juridique là et on est en train de comparer. Et si, effectivement, c'était plein de bonnes idées, eh bien, le collaborateur va avoir des points soleil. À l'occasion dernière, on va avoir mis en place, on a changé notre mode de je vois qu'en plus, j'ai vu que Giovanni était en ligne là. Il a eu d'ailleurs des points soleil à ce niveau parce qu'il nous a aidé à faire progresser les packs que l'on proposait à nos clients. Voilà. Oui. Wow. Alors, donc, le mental, des points soleil pour les motiver, être tout le temps en contact des collaborateurs pour vérifier qu'ils vont bien, donc leur proposer des congés, bien évidemment, pour qu'ils se ressourcent, parce qu'ils ont du mal d'ailleurs parfois à le voir, hein, à savoir si c'est le bon moment. En tout cas, il faut le faire pour eux, c'est ce que vous me disiez. Il faut le faire pour eux et il faut que, parce que si on a un public de patrons aussi, il faut que le patron reste très très accessible. Et. Ce que j'ai changé aussi dans cette période de tempête, on va dire, hein, c'est que là, cette année, par exemple, j'ai cette notion de capitaine qui m'est venue en tête. C'est-à-dire, je veux des véritables capitaines à l'équipe. On a travaillé l'entreprise libérée, puis responsable. Et là, partant de, j'ai un ami qui est très connu dans la profession qui s'appelle Gérard Borneau et qui est un grand marin. Il explique que partant de tempête, eh bien le capitaine doit être à la barre et bien mener son navire. Son navire. Donc c'est pour ça que là dans les équipes, j'ai redonné un peu plus de, j'ai demandé disons aux animateurs ou aux coachs d'être un peu plus directif dans la manière d'approcher notre travail. Voilà.
Donc, comment ça fonctionne d'ailleurs chez Santoni? On a des managers, bien sûr, dans toutes les agences, c'est ça? Des responsables? Alors, comment vous êtes organisé? Comment ça marche? Moi, ce qui serait intéressant est de donner quelques conseils, parce que 14 ans, il y a un peu de monde. Je n'ai pas de responsable d'agence. J'ai des responsables qualité, qui sont les assistantes. D'ailleurs, chez KW, ça s'appelle les DOFI, Direction of First Impression. OK. Voilà. Donc, nous, c'est nos responsables qualité. Enfin, ce sont des assistantes qualité qui sont dans les agences, qui vont veiller au fonctionnement de la structure. Et après, on a des coachs ou des animateurs, selon leur statut, qui, eux, vont driver l'équipe commerciale. D'accord. OK. Mais on a des commerciaux par agence, quand même, qui sont situés. Oui, bien sûr. Donc, les coachs, les formateurs qui accompagnent les commerciaux. C'est ça. Et qui sont négociateurs également, qui sont chargés de faire des ventes. Voilà. Et idem, dans les services location gestion, il y a des responsables de service avec des commerciaux. Alors, mais Cécile, juste pour comprendre, donc vous me disiez que vous avez donné des directives, c'est-à-dire que vous avez donné de l'autonomie, en tout cas, dans cette période un peu particulière, parce que moi, j'ai quand même une remarque à faire, la période, elle est très bonne pour l'immobilier. On ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise. D'ailleurs, en début d'année, je l'avais dit, j'avais fait un live, alors je ne sais plus si je l'ai dit à Ariane du journal ou à Sébastien Tedesco, avec qui on a fait aussi un live, mais j'avais bien dit... qu'il fallait faire attention à un éventuel revirement de marché parce qu'on a beaucoup moins de mandats à vendre. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Moins de mandats. Donc, c'est quoi la solution? C'est aller chercher de nouveaux mandats? C'est la prospection? C'est ça la priorité aujourd'hui? C'est-à-dire le travail des fichiers, enfin, et surtout mettre beaucoup d'énergie et ne pas attendre que ça. Le mandat arrive tout seul. Bien sûr. Et mettre en place des actions collectives, des actions individuelles. Ça, c'est très, très important. Alors, des directives, de l'action, du dynamisme, ça j'entends. Est-ce qu'il y a eu des innovations qui ont été mises en place justement sur cette dernière année, enfin depuis un an, compte tenu de cette situation? Donc, un marché immobilier finalement assez bon quand même, on doit le dire. J'ai mis quelque chose. Alors, comme j'ai des collaborateurs qui regardent là, ça va les faire sourire parce qu'ils ne l'ont pas fait. Je ne pense pas. Mais je leur ai dit en début d'année, ce que j'aimerais que vous fassiez dans les équipes, c'est que vous mettiez en place la tirelire du bonheur. Alors, ils ont dit qu'est-ce que c'est la tirelire du bonheur. Et bien, j'ai constaté que bien souvent, quand un collaborateur rentre un mandat, les autres, à la place d'applaudir des deux mains, eh bien, ils vont trouver « Ah, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop petit, c'est trop ceci, c'est trop cela ». Ils sont pas là en train d'applaudir. Enfin, maintenant qu'on en a moins des mandats, c'est peut-être moins vrai. Mais… Ou alors, vous avez un client qui a pas été très content ou un rendez-vous difficile et allez, vous allez polluer le reste de l'équipe en racontant, en vidant votre émotion négative sur les autres et les autres sont le réceptacle de votre énergie négative. Et alors… je leur ai dit, ben voilà, chaque fois qu'il y en a un qui fait ça, vous mettez 50 centimes dans la tirelire et vous allez voir, vous allez vous payer un resto, amusez-vous. Alors, j'en ai une qui m'a dit, rien qu'à moi, je vais leur offrir toute seule. Donc, elle a plaisanté elle-même sur sa manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu'on a assez de, comme je vous ai dit en début d'entretien, on a assez de piqûres par les médias d'énergie. En plus, nous, quand on a un souci, se le rebalancer les uns avec les autres et se tirer vers le bas. Parce que quand il y en a un qui a vidé émotionnellement son énergie négative et qui a pris un rendez-vous derrière, eh ben, il faut qu'il respire, qu'il fasse abstraction de tout ce qui s'est dit pour de nouveau être, vous voyez? Donc, en capacité. Donc, ce qu'on dit là, c'est que vous avez mis en place la tirelire, ça a marché, enfin, cette innovation. Alors, j'en sais rien parce que c'est tout nouveau. On n'est qu'au mois de, on n'est que début mars et ma réunion, elle était le 15 janvier. D'accord. Donc, je vais insister sur ma tirelire du bonheur. Voilà. La tirelire du bonheur, enfin, on voit bien, donc des initiatives en interne pour que les équipes soient effectivement au beau fixe, par rapport à un extérieur qui est effectivement un peu difficile, c'est vrai. Et après, on a aussi mis en place ça. Alors, oui.
Hein, ça, j'en avais parlé. Donc, ça, c'est réussir avec l'approche 360. Et là, on va, tout commence par vous et on les amène à faire un bilan sur c'est le mémo du leader, pour provoquer l'étincelle en eux. Et ils doivent le faire le point sur la santé, sport, alimentation, famille, amis, travail, etc. C'est un audit remis à tous les collaborateurs. Donc... Alors, les anciens, bien sûr, je l'ai distribué pour la première fois en 2020. Ouais. Pourquoi j'avais été, Vous avez vu les choses venir, effectivement. Ouais. Et trouver votre pourquoi, le facteur confiance, gérer ses émotions, identifier les habitudes qui sont à modifier, à adopter, à renforcer, à supprimer. Enfin, vous voyez, identifier votre environnement. Quels sont les environnements qui vous donnent de l'énergie, ceux qui vous épuisent, les personnes qui doivent vous entourer et celles au contraire que vous devez éviter parce qu'elles sont anxiogènes. Et après, comment améliorer leur vitalité. Avec, vous voyez, on va travailler beaucoup, ce que je ne faisais pas à l'époque. Hein. À l'époque, je vous ai dit, on restait immobilier. Et le fait d'avoir cette approche aussi bien professionnelle que cette partie, on va dire, plus développement personnel, eh bien, ça fait que les collaborateurs réussissent pas mal. Voilà, ce qu'on dit, c'est que c'est à la fois le mental, mais c'est vraiment s'occuper de ses collaborateurs. Donc, un petit audit là pour à la fois prendre le pouls, mais aussi, c'est un peu du développement personnel, effectivement, une approche 360 pour le collaborateur. Mais qu'est-ce qu'on en fait après de ce rapport que vous… Qu'est-ce qui est fait? Alors, ce rapport, il est vraiment pour le collaborateur. On l'amène juste à se poser des questions. Ouais. Et après, soit on peut échanger. Bah, c'est sûr que… Vous le faites avec chaque collaborateur? Vous allez le faire avec chaque collaborateur, Cécile? Je le fais avec ceux qui me le demandent. Ils savent. Je pense qu'un patron doit être très, très accessible. Et ceux qui me le demandent, ils savent très bien que je vais dégager du temps pour eux. Et ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière avec un manager d'une de mes équipes, c'est la première fois, je lui ai dit, puisque je savais qu'on n'allait pas travailler de sujet, mais qu'on allait parler beaucoup, je lui ai dit, prenez des baskets, on va faire un autre meeting sur la plage. Et on a fait 6 heures de... pas 6 heures. 6 heures, c'est beaucoup. Non, 6 kilomètres de marche, c'est-à-dire... 6 kilomètres quand même, c'est bien. Voilà. Ouais, une heure et quelques de marche. Ouais. Et ça lui a fait du bien à elle, ça m'a fait du bien à moi. Et d'ailleurs, dans la journée, je me rappelle, j'avais 3 meetings comme ça. Elle, c'était la seule qui avec qui on est allé sur la plage marcher comme ça. Mais j'avais lu des bouquins hein, où vous expliquez qu'un patron qui va marcher avec des collaborateurs pour parler de sujets particuliers, je ne l'ai pas inventé. Mais le fait de l'avoir fait... Oui. Je peux vous dire que je vais renouveler l'expérience parce que c'était positif pour elle et pour moi. Voilà. Mais je pense qu'il y a de l'innovation sur ce sujet. En tout cas, on a besoin encore une fois de transformer son entreprise de l'intérieur. Le plus important, moi je le dis aujourd'hui, c'est l'intérieur. L'extérieur, bien sûr, il y a des clients et il faut absolument servir nos clients. Mais c'est important de s'occuper vraiment de la clé et de l'équipe en interne au travers voilà, de ce que vous faites. Donc, vous leur posez les questions, il y a un peu de coaching, d'accompagnement, des nouvelles façons de réfléchir avec les managers comme vous l'avez fait. Moi, je pense que c'est clé. Alors justement, juste pour revenir là-dessus, c'est combien de personnes en tout, Anthony Immobilier? Une centaine? 70, très bien. Donc, il y a des managers, on l'a vu, il y a quand même un modèle un peu comme... Oui, avec... Après, voilà. Je travaille avec mes filles, une qui est au marketing et une qui est aux ressources humaines. Ouais. Et mon beau-fils, le fils de mon mari, qui lui est à toute la partie administrative avec son père. Donc, la famille, une entreprise un peu familiale aussi, ça, c'est les valeurs, j'imagine. Oui, ben c'est sûr. C'est important et ça. Qu'est-ce que ça a permis finalement ce côté famille? Ça a permis de garder peut-être une ligne directrice assez claire pendant toutes ces années. Ça a permis déjà que je garde l'entreprise parce qu'à un moment donné j'étais très très, très fatiguée et quand parce que j'ai travaillé avec des ça me fait bizarre parce que j'ai travaillé avec des patrons de gens comme Romain Cartier, Jean-François Buet, c'est un ami, Marco Celli, qui était le patron de Sébastien Tedesco, que vous devez connaître aussi. Bon, moi, j'ai connu ces gens-là. Et c'était quoi votre question? La question, c'est comment une entreprise familiale, qu'est-ce que ça a permis? Eux ont cédé leur.
peut-être pas Jean-François Buet, mais beaucoup, beaucoup ont cédé leur entreprise, notamment à l'époque à Square Habitat. J'ai failli aussi. Et puis les enfants nous ont dit on aimerait reprendre et rien n'est plus intéressant que d'avoir monté quelque chose et de savoir qu'après ça plaît et que. Et que donc ils sont susceptibles. Oui, effectivement, et qui et vous allez pouvoir passer le bébé, en tout c'est cas. Ça, c'est ça. Voilà. Alors, c'est quoi les projets? J'aimerais qu'on parle des projets. On a parlé du mental, des collaborateurs, de l'importance de d'être très proche, voilà, pour réussir, en tout cas pour tenir la barque et son navire. C'est quoi les projets pour Santini Immobilier? C'est de continuer un développement d'ouverture d'agence? C'est quoi? Déjà, on veut garder, déjà, il faut asseoir les deux agences qu'on vient de racheter. Oui. On a pour objectif de déplacer une petite structure qu'on a dans un village qui est important pour nous. Et donc là, on est en pleine recherche. Déplacer, ça veut dire quoi? Ça serait changer de local? Oui, c'est-à-dire qu'on a un tout petit local et qu'on veut pouvoir mettre plus de collaborateurs dans cette zone qui est importante pour nous. Et ensuite, on pense remettre en place le réseau mandataire, mais d'une autre manière que ce que nous avions fait jusqu'alors. Voilà. Ah, ça c'est quoi? On l'a mis en stand-by jusqu'à maintenant. Et là, on est vraiment en pleine réflexion pour pouvoir permettre, alors pas évidemment où il y a des agences, mais quand il n'y a pas d'agence, pouvoir proposer aux gens de capitaliser aussi sur notre nom, notre image de marque, notre norme ISO, parce que bien sûr, on ne sera jamais à la hauteur de, enfin à la hauteur, au niveau qualité de travail, oui, mais on ne va pas être IAD qui a levé 300 millions d'euros dernièrement et qui est une start-up. Nous, ce qu'on veut, on veut rester une entreprise familiale avec des valeurs, avec des gens qui sont proches de nous. Et voilà, on n'a vraiment pas pour ambition de devenir une enseigne nationale ni même internationale. Mais travailler sur un schéma un peu hybride, donc à être innové aussi. Donc, les agences, 14 agences, et puis se servir effectivement là où vous êtes moins implanté, en restant assez proche. Voilà, toujours avec cet objectif de pérenniser et de développer avec la fameuse technique de l'escargot dans notre région. Intéressant. Et avec quoi? Avec une franchise? Donc, il pourrait porter le nom, j'imagine, ces fameux. Non, non, on a déjà tout est prêt, hein, tout est dans les tiroirs, tout est prêt, on s'y collera. Incessamment sous peu. Je vous dis, pour le moment, on a même pas encore nos mini-sites pour Valra, Servian, donc ça vient d'être. Les nouvelles agences, effectivement, il faut d'abord s'occuper de ces agences. On a tout ça bien à stabiliser et après, voilà. Allez, grandir, effectivement. Oui, après, on a aussi, dans le fait de pérenniser, on a mis en place une émission. Parlons-en. Et ça, c'est important pour nous. De pérenniser l'investissement que l'on fait dans cette émission pour capitaliser toujours sur notre savoir-faire. Oui. Et quoi cette télé? Alors, il faut en parler un petit peu plus ici parce que vous, oui. On parle de Santini TV, c'est ça, hein? Oui. Ah non, l'émission, c'est carrément. On avait signé avec une société qui diffusait des émissions je me rappelle plus si c'était C8 ou BFM, je crois que c'était BFM, oui. Le matin. Et puis bon, ils ont fondu un plomb, comme on dit. Ouais. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas faire nous notre propre émission. Donc, bien une sûr. Fois par mois, on a une émission qui va traiter d'un sujet juridique, qui va présenter un bien, qui va donner nos actualités. Et très bien. C'est où ça? Et comment on se connecte? On se connecte où? C'est sur Facebook? C'est sur Facebook et sur YouTube. Ah. Ok. Et donc, c'est toutes les semaines? Non, 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 non. C'est tous les mois. Tous les mois. Tous les mois, on a une émission pas très longue parce que faut pas que les gens se lassent et que ce soit. Les gens sont zappeurs et maintenant. Hein, donc, il faut que ça aille très vite. Donc, c'est une petite émission qui est assez courte, mais qui nous permet aussi de faire rayonner notre nom. Oui, c'est important en termes de communication. En tout cas, ça vous permet d'être présent, d'apporter un conseil avisé, j'imagine, sur le secteur aussi, voilà, même si vous pouvez avoir des sujets juridiques plus larges. Très clair. Ça, c'est ça le biais de communication pour 2021. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues?
pour 2000, non. Après, évidemment, on fait ce que tous les autres confrères font aussi, hein, tout ce qui est Oui. portail, etc. Mais évidemment, Alors, une forte présence sur les réseaux sociaux, mais avec ce signe distinctif, ce que les autres n'ont pas. On doit être très peu en France à avoir la norme ISO. On doit être très peu à avoir fait cette émission mensuelle. Et c'est sûr. avoir une revue de qualité où on fédère autour de l'habitat cette revue Bien Vivre là, qui n'est pas qu'un journal d'annonce. Oui, Voilà. moi j'ai vu la revue, elle est très bien écrite et c'est vraiment bien fait. On a cette émission TV tous les mois. La norme ISO, moi j'aimerais qu'on en parle quelques instants, parce que ça, j'avais jamais vu encore. Et donc, ça consiste en quoi et comment vous avez eu cette idée? Alors, on l'a depuis 2006, cette norme. Ça nous a, c'est une norme qualité, hein, qui fait que dans les services, elle est assez rare. Vous avez parfois des mairies qui peuvent être certifiées ISO. Ça qualifie le système de management de la qualité de travail, aussi bien interne qu'externe. Et où ça peut être détourné, c'est qu'on peut se faire certifier que l'accueil. On peut se faire certifier que la transaction. On peut se faire certifier que la location. Nous, on a 100% des services qui sont certifiés ISO. Très Voilà. intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, bon, alors maintenant, il y a Opinion Système qui certifie, d'ailleurs, c'est Opinion Système est certifié aussi. Oui. Mais avant, on mettait nos témoignages clients, on continue à mettre les témoignages clients sur notre site avec leurs vraies photos, leurs vrais noms, c'est pas Monsieur M, Madame X, etc. Eh bien, par exemple, on a un document qui nous autorise à utiliser leur nom, leur photo, etc. Vous voyez? Et bien, l'autre fois, lors d'un contrôle, la personne de la norme ISO s'était rendue compte que le client n'avait pas signé, avait fait le témoignage. Pouvez-vous le diffuser? Ils avaient mis non. Mais nous, comme il l'avait écrit, l'assistante n'avait pas fait attention et elle l'avait mis le témoignage. Bien Et sûr. vous voyez, sinon, on était étonnés. Et Bien du sûr. coup, vous voyez, c'est pour vous dire comme c'est très, très pointu. Et on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Voilà. Mais cette norme ISO, c'est finalement c'est un moyen de vous faire connaître, c'est Non, reconnu par les c'est clients. Non. surtout un outil. Alors, on peut s'en servir quand même pour communiquer, pour rassurer les gens sur la qualité des services que l'on fait, mais c'est surtout un outil interne pour nous permettre d'avoir toutes les agences qui sont exploitées de la même manière avec les mêmes outils. Très clair. Et donc, ça sert, voilà, chaque fois qu'il y a une nouvelle agence, vous Elle assurez que. rentre dans la norme et avec les mêmes procédures et processus. Qui ont fait notre réussite. Non, mais c'est très clair et ça me paraît presque indispensable, en fait. Donc, ça me paraît très bien. Très intéressant, surtout, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, Cécile, on va parler du palmarès. C'est le dernier point que je voulais aborder avec vous. Effectivement, vous avez été lauréate du palmarès de l'immobilier, la première hein, pour le prix féminin, remis par Ariane Artignan, bien sûr, l'année dernière à MySweetImo, c'était la première fois. Est-ce que vous l'avez mis en avant, ce prix comment Oui, est-ce que ma fille, ça finalement. me donnait à cœur joie. Comme je vous ai dit qu'elle était responsable du service marketing, c'est vrai Et vous aussi, hein. on en a profité, oui, elle est là. On en a profité évidemment parce que ça nous a donné une notoriété, une reconnaissance. Pour moi, c'était sympa parce que, bon, ben, on est des filles. Bien Voilà. sûr. Et comme hier, c'était la journée de la femme et que j'ai Ouais. vu qu'elle avait publié, je me le suis noté, je ne le savais même pas. Elle a noté qu'on était 55% de femmes dans l'équipe et 60% des postes à responsabilité. Donc, vous voyez, je ne fais Bon. pas le distinguo en principe, mais puisque c'était la journée de la femme, elle s'est amusée à faire cette petite stat. Bien Et sûr. voilà. Vous le méritiez, ce prix, ça c'est sûr, c'est une vraie réussite, hein, Santoni. Enfin, et puis, c'est resté familial, donc ça c'est quand même incroyable. Et puis, voilà, quelles sont les approches d'ailleurs un peu, pas dire féminines, mais quelles sont les choses que pour vous sont un peu particulières et qu'on ne trouve pas ailleurs et qui témoignent un peu de cette approche un peu particulière, Santoni. Voilà, On alors a on a des parlé cours de de yoga, l'interne. il n'y a que les filles qui y vont. Il y a que. Il y en a un qui s'est aventuré avec son tapis, et puis quand il a vu qu'il était le seul garçon, il est plus revenu. Je ne sais pas s'il m'entend, je crois que c'est Romain.
du service location. Et voilà. Mais c'est surtout des filles qui profitent de le mardi. Donc, on a des cours de yoga. Mais bon, en ce moment, avec la pandémie, bon, ben voilà quoi. Vous avez mis en place effectivement des cours de yoga. Ça, c'est, ça, c'est bien pour le moral des collaborateurs. Aussi, on a mis en place un atelier mental. Ça, c'était un collaborateur qui a eu des points soleil d'ailleurs. Il m'a dit, Cécile, il faudrait mettre en place un atelier mental. Donc, on en a fait un. À l'époque, on pouvait se, ça a été dans l'époque où on pouvait se voir là. On en a fait un physique. Là, je dois en faire un pour le mois de mars. On va le faire certainement selon le nombre de personnes. Si on n'est pas nombreux, on le fera en présentiel. Sinon, on le fera en visio. Mais on va peut-être évoquer des sujets comme ils m'ont demandé, je me rappelle, il y avait le sommeil. Alors là, c'est dans le cadre d'échanges, vous voyez. Comment ça se passe? Vous vous retrouvez tous, vous parlez d'un sujet, c'est ça? On choisit un sujet et, bon, et on va traiter ensemble ce sujet. Voilà. Et les bonnes idées, j'imagine, sont mises en application juste voilà, après. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant, un atelier mental. Donc, on ne travaille pas sur un sujet client, on travaille sur un sujet interne. Voilà. Il ne faut pas que les gens croient qu'on n'est que là-dedans. Hein. Il y a les ateliers soutien pour les découvertes. Je vais faire un atelier rentrée de mandat exclusif, là, parce que pour certains, enfin, voilà, on n'oublie pas quand même les bases du métier. Mais c'est tellement important, le reste. Et aussi, et je pense que patron, parfois, on est tellement dans nos procédures, notre travail, nos chiffres d'affaires, les ratios, nombre de ventes, nombre de clients, nombre de contacts, etc., que du coup, on oublie cet aspect qui est important. Ah, moi, je pense que c'est clé aujourd'hui. Je pense qu'on parle trop de l'extérieur, on parle trop des clients et je pense qu'il est temps de revenir à l'intérieur de l'entreprise. C'est clé en fait parce que si on s'occupe bien des collaborateurs et si on fait le nécessaire en interne, on aura des choses positives et on fera un bon travail à l'extérieur. Et je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Et je pense que cette période nous a obligés un peu à ça et d'autant plus, encore une fois, si on revient sur le climat anxiogène. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle et moi, je voulais vraiment qu'on mette l'accent sur l'interne. C'est ce qui m'a vraiment séduit dans votre approche, Cécile, sur voilà, le mental, la clé du succès de votre marque c'était important d'en parler et bien sûr on s'imagine que vous travaillez pour l'externe avec toutes les formations nécessaires pour former vos collaborateurs pour qu'ils puissent donner le juste prix et accompagner vos clients de la meilleure des façons, ça on s'en doute. Encore une fois, c'était une façon peut-être un peu différente de voir les choses. Donc ce palmarès, vous l'avez mis en avant, vous allez concourir j'imagine pour cette nouvelle année. On peut gagner deux fois, hein, Cécile, hein, c'est possible. Mais là, si je joue, ce n'est pas pour le prix féminin. Non, il faut jouer pour d'autres catégories. Hein. Je voilà. Vous allez m'aider à lancer le palmarès cette année. Non, mais c'est important. On veut un maximum de candidatures, de très bonnes candidatures, et vous pouvez concourir pour la région. Attendez, pour la région, on a eu des très beaux lauréats, effectivement, les années passées. Pour la région, vous avez toutes vos chances. Il y a des beaux réseaux, des belles agences, bien sûr. Mais vous pouvez bien sûr concourir pour cette nouvelle année. Voilà, sur les résultats 2020. J'en profite d'ailleurs pour en parler à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est le temps de le faire. On peut commencer à candidater pour une remise des prix qui se situera sur fin d'année, début décembre, a priori, fin novembre, début décembre, sur le salon de la FNEM, et souhaitons-le. J'espère que ce salon aura bien lieu comme prévu. Je pense que d'ici là, les choses auront quand même évolué. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Oui. Cécile, alors merci beaucoup. Je voulais effectivement voir s'il y a quelques questions. C'est une interview aujourd'hui un peu comme ça, avec des choses intéressantes, je pense. Est-ce qu'il y a des questions de ceux qui nous suivent, nos auditeurs et qui nous regardent? Voilà, c'était une discussion à bâton rompu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Cécile, pendant que j'attends effectivement éventuellement quelques questions de nos des personnes qui nous suivent? Non. Qu'est-ce qu'on rajouterait finalement sur cette success story? Il y en a encore pour des années. C'est pas maintenant que vous allez quitter, c'est bientôt. Ils ont encore une dizaine d'années à me supporter. 10 ans encore, oui, on a le temps de voir venir, effectivement. Oui, oui. La relève est déjà là et effectivement, on a le temps de faire grandir ce beau réseau. J'aimerais vous voir avec plaisir, surtout qu'il faut qu'on équipe des agences là. Alors je sais pas si c'est vous allez venir avec votre commercial Manon, mais... c'est Manon qui va s'occuper de vous, c'est Manon sur, c'est Manon sur, qui va s'occuper de moi. Bon. Voilà, on aura des belles choses à faire en sorte. Merci Cécile, merci Thibaut de cet entretien. Merci beaucoup. Alors à bientôt.
À bientôt. Et puis, on dit à bientôt, effectivement, à nos auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et une formation pour la prochaine fois. Voilà, cette fois-ci, une interview et la prochaine fois, une formation. À bientôt. Merci, Cécile. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.